allons donc commencer cet enseignement sur cette grande prophétie de l'apôtre Paul concernant la fin des temps. Donc nous commençons cet enseignement sur cette grande prophétie de l'apôtre Paul concernant la fin des temps. Et pour cela, mes frères et sœurs, je vous convie à tourner vos Bibles en 2 Timothée, chapitre 3, verset 1 à 5. 2 Timothée, chapitre 3, verset 1 à 5. Je vais vous montrer ce qui nous intéresse dans ce passage. 2 Timothée, après 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, 1 Timothée, 2 Timothée, chapitre 1 à 5, je lis la parole de Dieu, il est dit, Paul écrivant à Timothée, qui plus tard devait aussi partager ces choses à l'église, Paul donc écrivant à Timothée, 2 Timothée, chapitre 3, verset 1 dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Voilà cette grande prophétie de l'apôtre Paul concernant la fin des temps. Et aucune personne écoutant ce passage ne pourra nier une seule seconde que nous sommes en train de vivre ces choses. Les hommes sont égoïstes. Les gens sont amis de l'argent. Ils sont fanfarons. Ils sont hauteurs. Ils blasphèment le nom de Dieu. Les enfants de plus en plus sont rebelles à leurs parents. Les gens sont irreligieux. Les gens sont insensibles. Combien de vidéos nous avons vues sur YouTube où les gens meurent aux États-Unis, la voiture écrase quelqu'un, la personne n'est même pas encore morte, mais les gens passent, personne ne s'en soucie. Peut-être la personne aurait dû être sauvée si quelqu'un était là. C'est ça le mot ici, insensible. Les gens n'ont plus la sensibilité. Les gens sont devenus insensibles. Ça, c'est les choses des derniers temps que nous vivons. Les gens sont insensibles, déloyaux. Les gens manquent de loyauté. Ils sont calomniateurs. La calomnie, on a vu ça dernièrement avec l'usage de la langue. Comment un usage inapproprié de la langue pouvait nous entraîner en enfer. Donc la calomnie, calomniateur, intempérant, cruel, la cruauté, ennemi des gens de bien, traître, emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Vous voyez, Paul énumère ces choses. Mais ce qui nous intéresse ici, mes bien-aimés frères et sœurs, c'est un mot, les gens seront amis de l'argent. C'est le sujet de cet enseignement, l'amour de l'argent. L'amour de l'argent, c'est une arme fatale que Satan utilise pour amener beaucoup de gens en enfer. L'amour de l'argent. Il n'est pas dit l'argent, mais il est dit l'amour de l'argent. Dans quelques instants, je vous montrerai les traits caractéristiques de l'amour de l'argent. Et si quelqu'un se reconnaît dans l'une des caractéristiques que je vais donner, c'est que la personne a l'amour de l'argent. Il faut prier Dieu pour s'en débarrasser. Et cet enseignement va choquer beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes qui pensaient qu'elles n'avaient pas l'amour de l'argent vont se retrouver. Quand je vais nommer les caractéristiques tellement simples de l'amour de l'argent, vous serez choqués. Voilà l'arme fatale de Satan dans ces derniers temps. C'est l'amour de l'argent. Il utilise l'amour de l'argent pour entraîner les gens en enfer. Il n'y a pas seulement l'amour de l'argent comme arme de destruction massive de Satan, mais il y a aussi le sexe, il y a aussi la langue, comme on a vu la dernière fois. Il y a les yeux. Mais ici, le verset clé dans 2 Timothée chapitre 1 à 5, la clé ici, c'est amour à les amis de l'argent. Satan a toujours utilisé l'argent comme un moyen de destruction. Et je vais vous montrer que même notre Seigneur Jésus-Christ est passé par là. Le Seigneur Jésus-Christ est passé, lui a été confronté à cette tentation par rapport aux richesses, à l'argent. Vous voyez, c'est pour ça qu'il a dit,
Jésus-Christ a été tenté en toutes choses, mais sans commettre le péché. C'est pour cela qu'il peut véritablement secourir, venir au secours de ceux qui sont aussi tentés. Ça veut dire que dès que nous sommes tentés dans l'une catégorie, l'une quelconque catégorie de la vie que ce soit, allons au Seigneur Jésus-Christ. Mais ce que je vais vous montrer, c'est à quel point notre Seigneur Jésus-Christ lui-même a été tenté. Pour cela, tournons nos Bibles dans Luc chapitre 4, s'il vous plaît. Luc chapitre 4, le troisième évangile de la Bible. Après Matthieu, Marc, Luc chapitre 4, on va voir la grande tentation à laquelle notre Seigneur Jésus-Christ a été confronté. Donc, je vais lire Luc chapitre 4, versets 5 à 8. Donc, Luc chapitre 4, versets 5 à 8, il est dit ceci. Et vous pouvez lire à partir du verset 1 pour voir la tentation, comment elle s'est passée. Luc chapitre 4 à partir du verset 1. Mais je vais lire à partir du verset 5. Il a dit, le diable l'ayant élevé, vous voyez, le diable a élevé Jésus-Christ, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Suivez attentivement, frères et sœurs. Ici, le diable a montré à Jésus-Christ quoi? Tous les royaumes de la terre. Et verset 6, il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera à toi. Verset 8, Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Regardez la tentation à laquelle Jésus lui-même a été exposé concernant l'amour, concernant les choses de ce monde, la gloire de ce monde, l'argent, les richesses. C'est pour vous dire que l'argent, c'est une arme de destruction massive dans l'arsenal de Satan pour entraîner beaucoup de gens en enfer. Notre Seigneur lui-même est passé par là. Vous voyez? Ici, au verset 7, il a dit, si tu te prosternes devant moi, elle sera à toi. Vous voyez comment beaucoup de personnes vont à Satan. Beaucoup de gens se prosternent à Satan aujourd'hui et de plus en plus, les gens sont impliqués dans la Rose-Croix, dans la franc-maçonnerie, dans l'occultisme, tout simplement pour la gloire et l'argent. Ils vont se prosterner à Baal, à Satan, pour de l'argent. Cela ne date pas d'aujourd'hui. La Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ils se prosternent devant Satan. Satan dit quoi ici au verset 7 à notre Seigneur? Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera à toi. Il s'agit de quoi? La gloire de ces royaumes. La gloire, c'est-à-dire l'argent et les richesses. Et le verset 6 nous donne un détail très important. Je la donne à qui je veux. Satan dit bien ici qu'il donne à qui il veut. Dernièrement, on voyait dans un enseignement comment Dieu n'exauce pas les pécheurs. Et je vous donnais le témoignage de ma conversation avec une dame. Je la confrontais par rapport à un péché. Elle me disait, mon frère, Dieu m'a toujours exaucé. Dieu m'a toujours exaucé, je n'ai pas de problème par rapport à mes prières. Dieu m'a toujours exaucé, je lui ai dit, je ne sais pas quel est le Dieu qui t'exauce. Parce que je connais un faux Dieu dans la Bible qui exauce aussi. Et c'est ce que nous dit ce verset. Je donne à qui je veux. Ce verset nous montre que Satan donne les choses à qui il veut. Mais il vous donne ces choses pour l'enfer. Voilà une clé capitale que beaucoup de gens doivent connaître. Donc si vous êtes exaucé alors que vous menez une vie chronique de péché, sachez que les choses que vous recevez ne viennent pas de Dieu. Ce verset nous le montre. Parce que quand vous péchez, ça veut dire quoi? Vous vous prosternez devant Satan. C'est justement ce que Satan voulait que Jésus fasse. Le péché, même un moindre mensonge, est se prosterner devant Satan. Vous voyez? Je vous montre en lisant Luc chapitre 4, comment Jésus lui-même n'a pas échappé à la séduction, à la tentation de Satan par rapport au bien de ce monde, par rapport à la richesse. Et non seulement Jésus-Christ, même Pierre a été exposé. On va voir comment Pierre même a été tenté par l'argent. Comment, en tant qu'homme de Dieu, nous pouvons être aussi tentés par rapport à l'amour de l'argent. Et comme je le développerai dans cet enseignement, Satan frappe particulièrement les hommes de Dieu dans cette génération. Laure, est-ce que tu peux fermer ton micro, s'il te plaît? Donc, beaucoup, Satan est en train de tenter les gens dans cette génération par rapport à l'amour de l'argent. L'amour de l'argent.
notamment les hommes de Dieu, qui s'égarent dans la voie de Balaam, fils de Bozor, qui aima le salaire de l'iniquité. Et on va voir ces choses. C'est une stratégie numéro une. La Bible dit le disciple n'est pas plus que le maître. Voilà Jésus-Christ lui-même qui a été exposé à la tentation concernant l'amour de l'argent. On va voir aussi un homme de Dieu dans la Bible, un apôtre, Pierre, qui a été tenté. Si Jésus-Christ a été tenté, frères et sœurs, si Pierre a été tenté, ne pensez pas que c'est nous aujourd'hui, chrétiens ou hommes de Dieu, qui pouvons être à l'abri. C'est pour ça que cet enseignement est tellement sérieux. Cet enseignement sur l'amour de l'argent. L'amour de l'argent, c'est un boulevard qui nous mène directement en enfer. Donc, allons voir comment Pierre, lui aussi, a été tenté. Et pour cela, je vous prie de tourner vos Bibles dans Actes chapitre 8. Actes chapitre 8, s'il vous plaît. Nous allons voir quelque chose de très grand concernant la tentation de Pierre. Actes chapitre 8, nous allons lire à partir du verset 14. Verset 14 à 24. Mais avant de lire le verset 14 à 24, je vais vous donner le contexte de l'histoire. Le contexte de l'histoire ici, c'est comment la parole de Dieu était prêchée dans la Samarie. Donc Philippe était descendu dans la Samarie pour prêcher Jésus-Christ. Et les foules entières étaient attentives à ce que Philippe disait. Et ces foules, les gens apprirent comment Philippe faisait, rempli par le Saint-Esprit, faisait des miracles. Les esprits impurs sortaient de plusieurs démoniaques en poussant des cris. Les gens étaient guéris, beaucoup de boiteux, des paralytiques étaient guéris. Et la ville était dans la grande joie. Il y avait la joie dans la ville. Et avant cela, avant que Philippe vienne dans cette ville était ensorcelée par un puissant magicien. Ce magicien s'appelait Simon. Donc la ville, cette ville était possédée, ensorcelée, envoûtée par les miracles sataniques d'un homme qui s'appelait Simon. L'homonymie avec Simon, Pierre, m'a-tu vous frappé. Et vous allez voir ce qui va se passer. Donc, cet homme, à partir du verset 9, il a dit que donc, cet homme faisait donc. Se donnait pour un personnage important. C'était une personnalité importante dans cette ville. Il exerçait la magie, provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Donc, tous venaient à lui, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Il écoutait attentivement et il disait : celui-ci est la puissance de Dieu qui s'appelle la grande. Regardez le détail ici. Ils attribuaient même la puissance, ils attribuaient à Satan, ils attribuaient à Dieu les miracles sataniques de ce monsieur. Regardez, vous pensez que c'est nouveau? Ce n'est pas nouveau. Aujourd'hui, nous allons voir comment certains soi-disant hommes de Dieu, poussés par Satan, font des miracles et les croyants qui n'ont pas le discernement attribuent cette puissance à Dieu. Est-ce que c'est nouveau? Ça n'a pas été nouveau. Ce n'est pas nouveau, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Vous voyez, au verset 9, il disait, celui-ci est la puissance de Dieu qui s'appelle Agram. Ils attribuaient cette puissance satanique à qui? À Dieu. Et voilà ce que Satan fera toujours. Mais ça, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est de vous montrer comment cet homme a voulu séduire Pierre avec l'argent. Donc, verset 12, il a dit, d'abord au verset 11, donc les gens de cette ville l'écoutaient attentivement parce qu'ils les avaient longtemps étonnés par les actes de magie. Le mot étonné ici, c'est ensorcelé ou fasciné ou envoûté. Verset 12. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Vous voyez comment les gens sont détournés de Simon le magicien pour se tourner à l'évangile de Jésus-Christ. Ils furent baptisés. Verset 13. Simon lui-même crut. Lui-même le magicien. Il crut. Vous voyez? Et vous allez constater que Simon crut, mais il n'était pas vraiment né de nouveau, parce qu'il y avait un cordon ombilical qui était encore là. Il crut, mais il n'était pas né de nouveau. Et on va voir la différence entre croire et véritablement naître de nouveau, dans le cas de Simon. Il y a beaucoup d'enseignements qu'on peut voir à travers cette histoire de Simon, mais nous allons nous limiter dans le contexte comment Satan utilise l'argent pour séduire l'humanité, pour les amener en enfer. Et il fait même de plus en plus de ravages dans l'église. Je vous assure, les chrétiens aiment l'argent plus que les gens du monde. Et vous serez choqués par les révélations que je vais vous donner, selon que le Seigneur m'inspire. Vous voyez?
Donc, verset 13, Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Il voyait avec étonnement. Quelqu'un qui avait passé des années à étonner, à épater une ville, c'est lui maintenant qui est épaté. Voilà la puissance de Dieu, qui n'a pas de pareil, qui n'a pas l'équivalent. Quand je pense que les gens vont à Satan pour la puissance, s'ils pouvaient savoir que la puissance de Satan n'est rien, voilà une preuve de quelqu'un, un magicien, serviteur de Satan, qui épatait une ville, mais lui-même, quand il était confronté à l'évangile de Jésus-Christ, la vraie évangile, il a été transformé, il a cru et il était étonné par les miracles et les prodiges qui s'opéraient par les disciples de Jésus-Christ. Il est dit qu'il ne quittait plus Philippe, mais je vais vous montrer qu'il y avait la malice. La raison pour laquelle Simon le magicien ne quittait plus Philippe, c'est par la malice, par la ruse. C'est pour des raisons d'intérêt, c'était de manière calculative et intéressée. Donc l'histoire commence à devenir intéressante ici au verset 14. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci arrivaient chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Verset 16. Car le Saint-Esprit, n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Verset 17. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était, Simon le magicien bien entendu, lorsque Simon le magicien vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent. Ouais, il leur offrit quoi? De l'argent. Regarde la séduction. Et on va voir quelle a été l'attitude de Pierre. Quand je pense aujourd'hui que les hommes de Dieu se font offrir de l'argent pour faire des délivrances, pour chasser les démons, pour faire des séminaires d'enseignement à travers le monde, ils se font offrir de l'argent pour des prières, ils se font offrir de l'argent pour les livres qu'ils publient, pour les sermons qu'ils font. La plupart des églises, à la fin du culte dimanche, se transforment en des véritables centres commerciaux. Dimanche, les hommes de Dieu aujourd'hui se font offrir de l'argent. Mais voyons ce que Pierre a fait. Donc, lisons le verset 18 qui dit « Lorsque Simon le magicien vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent, verset 19, en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Vous voyez, il voulait acheter le pouvoir du Saint-Esprit. Ça me fend le cœur quand je vois comment il y a des séminaires payants où les gens vous disent que pour recevoir la puissance payée, on parle de discipola. Je ne sais même pas s'il y a dans la Bible ce mot discipola. Un mot pour épater les gens. Pour recevoir la puissance du Saint-Esprit, on vous fait payer. Vous pensez que c'est nouveau, ce n'est pas nouveau. Mais regardez l'attitude de Pierre. Pierre dit au verset 20. Verset 20, mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu, sacré, a pris d'argent. Vous voyez, beaucoup de soi-disant hommes de Dieu aujourd'hui auraient accepté l'argent s'ils étaient à la place de Pierre, de Simon-Pierre, l'apôtre de Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que Pierre dit au verset 20? Mais Pierre leur dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu, sacré, a pris d'argent. Le verset 20, ce verset 20 nous montre qu'il y a une malédiction qui pèse sur ceux qui achètent de Dieu, ainsi que sur ceux qui les vendent. Qui achetait? Qui voulait acheter? C'est Simon, le magicien qui voulait acheter. C'est Simon, le magicien qui voulait acheter. Mais là, qu'est-ce que Pierre dit? Que cet argent périsse. C'est la malédiction. Voilà comment il est frappé de malédiction. Donc, après avoir écouté ce message, vous allez réfléchir plusieurs fois avant d'aller encore acheter un livre. Ou acheter votre ticket pour un séminaire où soi-disant vous allez recevoir le Saint-Esprit par la langue. Ouais. Verset 21. Paul Pierre continue à le confronter sévèrement. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Verset 22. Repens-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. Pour que la pensée de ton cœur se doit pardonner quoi? S'il est possible. S'il est possible. Verset 23, car je vois que tu es dans un fier amer et dans les liens de l'iniquité.
Simon répondit, priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Ouais, priez vous-même le Seigneur, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Voilà au moins Simon le Maïcien qui s'est repenti. Qui s'est repenti? Combien d'hommes aujourd'hui, d'hommes de Dieu, soi-disant hommes de Dieu, se repentent du fait qu'ils font de Jésus qui est un objet de marchandage? La piété est devenue pour eux une source de gain. Quelle honte! Combien d'hommes de Dieu se repentent aujourd'hui? Combien d'hommes de Dieu nous avons confrontés? Il y a un que j'ai appelé, il est en Côte d'Ivoire. Je l'ai appelé au téléphone un jour pour lui dire que voilà ce que dit le Seigneur. Repends-toi de ta méchanceté. Cesse de mettre l'évangile de Jésus qui invente. On a conversé, après même l'enseignement, il a dit, prie pour moi, cet homme de Dieu, pourtant célèbre. En Côte d'Ivoire, effectivement, j'ai promis de prier pour lui, mais une semaine après, je repartais sur son site, sur sa page Facebook, je vois qu'il fait des séminaires, journée, une journée, 5000 francs CFA par journée pour le discipulat, à peu près 50 euros par jour. Vous voyez, voilà de ce dont on parle. Et pourquoi j'ai pris cet exemple de Simon, le magicien, qui a voulu séduire Simon-Pierre? C'est pour montrer comment Satan a toujours voulu séduire les chrétiens avec de l'argent. Il a fait par Jésus-Christ, on vient de le voir, comment il a tenté Jésus dans le désert. On vient de le voir avec Pierre. Je vous assure, c'est une arme fatale de Satan. L'argent, l'amour de l'argent, c'est le sujet de cet enseignement. L'amour de l'argent. Et c'est ma prière qu'on soit délivré de l'amour de l'argent. Et je vais vous montrer tout à l'heure les traits caractéristiques qui font que quelqu'un ait l'amour de l'argent. Et si vous avez une caractéristique, c'est que vous êtes encore possédé par cela. Mais avant cela, allons dans Matthieu chapitre 6, s'il vous plaît. Très rapidement, Matthieu chapitre 6, le premier évangile dans la Bible. Matthieu chapitre 6. Je vais lire du verset 19 à 21 et le verset 24. C'est une fondation solide de notre foi chrétienne que le Seigneur Jésus établit ici. Je répète que c'est une fondation solide de notre foi chrétienne que le Seigneur Jésus établit ici. Donc verset 19 à 21 d'abord. Matthieu chapitre 6, verset 19 à 21. Jésus dit ceci, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent. » Et où les voleurs percent et dérobent. Verset 20. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Verset 21. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Ouais. Dites-moi là où est votre trésor, je vous dirai là où est votre cœur. Pour nous bien-aimés frères et sœurs en Christ à travers le monde, né de nouveau l'Esprit de Dieu. Notre trésor est dans les choses de Dieu. Voilà là où se trouve notre trésor. C'est là où notre cœur est. Si notre cœur y est, c'est de qui a notre trésor. Donc ne nous amassez pas. Il n'est pas dit, n'ayez pas les trésors sur terre. Mais il est dit, n'amassez pas, n'accumulez pas. On peut avoir des trésors. La clé ici, c'est amasser la main. On va développer ces choses plus tard. Et cet enseignement est destiné à délivrer le corps de Christ par rapport à l'amour de l'argent. C'est une arme fatale de Satan et nous allons exposer ces choses par la grâce de Dieu, selon que le Saint-Esprit va nous accorder cette opportunité dans cet enseignement. Allons au verset 24. Le verset 24, plus loin nous dit, Jésus continue à parler, à établir cette fondation par rapport aux choses matérielles de ce monde. Nul ne peut servir deux maîtres car il a été car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Vous voyez, vous ne pouvez servir Dieu et maman. Et pour ceux qui ne le savent peut-être pas, je vais vous expliquer ce que c'est le mot maman. Maman, c'est une principauté satanique dans la structure du royaume de Satan. Maman, c'est une principauté dont le rôle, dont la mission a été donnée par Satan, de contrôler tout ce qui concerne l'argent à travers le monde, depuis la nuit des temps. Et aujourd'hui, que ce soit la Banque mondiale, que ce soit le FMI, que ce soit les banques en Suisse, tout le système monétaire international est sous le contrôle des puissances sataniques. Et cette puissance s'appelle Maman. C'est une divinité, c'est une principauté dans le royaume. C'est une principauté Maman.
Donc quand on dit maman, nous avons affaire à une principalité satanique qui coordonne tout ce qui est lié à l'argent. Il y a des principalités qui coordonnent les choses liées au sexe, à la fornication, à l'adultère, à l'homosexualité. Mais ici, dans cet enseignement, dont l'intitulé est l'amour de l'argent, la délivrance de l'amour de l'argent qui pentirait l'enfer, nous voyons ici une principalité satanique. Donc si vous avez encore l'amour de l'argent dans votre cœur, vous qui écoutez cet enseignement, c'est que vous êtes encore sous la puissance de maman. Et on va voir comment on peut être délivré de cette puissance. Vous voyez? On va voir comment on peut être délivré de cette puissance. Il y a quelque chose que je vais vous montrer en 2 Chroniques, chapitre 1, à partir du verset 1 à 12. Allons dans 2 Chroniques. C'est une histoire qui m'a toujours émerveillé. C'est l'histoire de Salomon, du roi Salomon, le fils de David, que Dieu a terminé dans son règne. J'ai bien dit 2 Chroniques, chapitre 1, verset 1 à 12. Donc, Dieu était avec lui. Dieu l'a élevé à un très haut niveau. Salomon aussi, il a pris son pouvoir en main. Il a hérité le trône, le règne en Israël de son père David après sa mort. Et donc, c'était quelqu'un qui était élevé vraiment. Il a commencé à donner les ordres à Israël, aux chefs des milliers, des centaines, des juges, des princes de tout Israël, aux chefs des maisons, etc. Et un jour, David se trouvait devant le tabernacle de l'Éternel. Et l'assemblée était ici. Et donc lui, David, Salomon était donc devant l'assemblée. Et était avec l'assemblée afin de chercher la face de l'Éternel. Et ce fut là donc sur cet autel dont je vous ai parlé, devant le tabernacle, que Salomon offrit à l'Éternel 1000 holocaustes. Vous allez voir ce qui va se passer. Salomon est en train de prier l'Éternel. Et cette offrande, ces 1000 holocaustes, plurent tellement à Dieu de telle manière qu'à partir du verset 7, Dieu, pendant la nuit, apparut à Salomon et lui dit, à partir du verset 7, demande ce que tu veux que je te donne. Vous voyez, imaginez que Dieu vous apparaît et Dieu vous demande, Dieu vous dit, vous apparaît, demande-moi. Je pense que la plupart des gens qui suivent cet enseignement, ils commenceront à demander, Seigneur, mes dettes. Si je peux avoir un château à Cannes ou à Nice, les gens vont commencer à demander des choses à pas possible. Je veux un compte en banque de 100 millions, de 100 milliards d'euros. Ouais. Mais regardez ce que Satan, il y a une interférence, coupez le micro s'il vous plaît. Mais regardez donc ce que Satan, ce que Salomon répond à... Il y a une interférence quelque part là. Coupez le micro s'il vous plaît. Donc Salomon répondit à Dieu. Donc Dieu dit à Salomon, demande-moi ce que tu veux. Regarde la réponse de Salomon. Salomon dit, tu as traité David, mon père, avec une grande bienveillance. Et tu m'as fait régner à sa place. Maintenant, éternel Dieu, que ta promesse à David, mon père, s'accomplisse, puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux comme la poussière de la terre. Accorde-moi donc, verset 10, accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple grand? Dieu dit à Salomon, puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni les richesses, ni les biens, ni la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu me demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner, la sagesse et l'intelligence te sont accordées. Je te donnerai en outre des richesses, des biens et de la gloire, comme n'en a jamais eu aucun roi devant toi et comme n'en aura aucun roi après toi. Ça, c'est une histoire qui établit le standard. Je vous assure, voilà un homme à qui Dieu apparaît. Dieu lui dit, demande-moi tout ce que tu veux. Il a dit, je veux seulement la sagesse et de l'intelligence. Dieu a donc dit, puisque tu n'as pas demandé les biens, la mort de tes ennemis, la gloire de ce monde, je te donnerai non seulement la sagesse et l'intelligence que tu as demandé, mais je te donnerai au-delà. Voilà le standard que Dieu établit ici. Je vous assure, c'est un standard que nous devons suivre. Les choses n'ont pas changé. Si vous voulez recevoir de Dieu, suivez l'exemple du roi Salomon.
C'est pour ça que la Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Voilà la première chose que nous devons chercher. Matthieu chapitre 6, verset 33. Voilà ce que Salomon a cherché. Et ça, c'est la clé pour une vie dans l'abondance. C'est la clé pour une vie dans l'abondance. Vous voyez? Beaucoup de gens sont tourmentés pour s'enrichir aujourd'hui. Beaucoup de gens sont tourmentés. Les gens sont prêts à tout faire pour devenir riches. Ils sont prêts à mentir, à faire n'importe quoi. Mais que dit Proverbe chapitre 23, verset 4 à 5? Proverbe chapitre 23, verset 4 à 5 dit quoi? Et c'est le roi Salomon, dont on parlait tout à l'heure dans 2 Chroniques, qui donne ses conseils. Donc il donne ce que lui-même a appliqué. Le cœur du roi Salomon n'était pas porté à l'argent. C'est pour ça qu'il est dit dans... C'est pour ça que le même roi Salomon, donnant des conseils, dit ceci en Proverbe chapitre 23, verset 4 et 5. Il est dit, ne te tourmente pas pour t'enrichir, ni applique pas ton intelligence. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Car la richesse fait des ailes. Et comme l'aigle, elle prend son vol vers les cieux. Voilà, ne appliquons pas notre intelligence pour nous enrichir, mes frères et sœurs. Ne nous tourmentons pas. Il y a des gens qui ont même des nuits blanches pour savoir comment ils peuvent fructifier leurs revenus, comment ils peuvent faire de grandes choses avec leur argent. Il y a des gens qui passent le temps à... Ils ont des insomnies de nuits blanches. La richesse fait des ailes. Qu'en est-il de Somme 49, verset 17 à 21, s'il vous plaît. Somme 49, verset 17 à 21, il est dit, « Ne sois pas dans la crainte parce qu'un homme s'enrichit, parce que les trésors de sa maison se multiplient. » Car il n'emporte rien en mourant. Suivez attentivement, il a dit qu'il n'emporte rien en faisant quoi? En mourant. Ses trésors ne descendent point après lui. Il aura beau s'estimer heureux pendant sa vie, on aura beau te louer des réjouissances que tu te donnes, tu iras néanmoins au séjour de tes pères qui ne reverront jamais la lumière. Vous voyez? Vous voyez? Proverbe chapitre 28, nous continuons à développer ces principes. Ça, c'est les joyaux bibliques. Ça, c'est les joyaux bibliques, des perles bibliques que nous sommes en train de voir. Ça, c'est le standard des chrétiens, de la vie chrétienne. C'est le standard que je nous rappelle pour ceux qui les ont déjà lus ou que je donne pour la première fois pour ceux qui les ont jamais lus. C'est des boucliers, des remparts contre l'amour de l'argent. Allons dans Proverbe chapitre 28, verset 20 à 22. Juste après Somme, Proverbe chapitre 28, verset 20 à 22, il a dit quoi? Un homme fidèle est comblé de bénédictions, mais celui qui a hâte de s'enrichir ne reste pas impuni. Vous voyez? Celui qui a hâte de s'enrichir ne reste pas impuni. Verset 21. Car il n'est pas bon d'avoir égard aux personnes. Et pour un morceau de pain, un homme se livre au péché. Un homme envieux a hâte de s'enrichir. Verset 22. Et il ne sait pas que la disette viendra sur lui. Voilà. La Bible dit qu'un homme envieux, l'une des causes de la chute, c'est l'envie. Puisque votre voisin vient d'acheter une grosse Mercedes, vous voulez aussi une. Vous vivez en Europe. En France, votre cousin construit une grande maison au village, au Cameroun, ou au Sénégal, ou au Gabon. Vous voulez aussi faire de même. L'envie. Vous ne savez pas comment il a fait. Et pour cela, vous allez... Voir comment vous pouvez détourner l'argent de la société. Et voilà comment vous retrouvez en prison plus tard. C'est l'envie. Nous devons faire attention à ces choses. Allons dans Timothée maintenant. Timothée chapitre 6. 1 Timothée chapitre 6 contient des grandes clés par rapport à ces choses que je suis en train de partager. Donc 1 Timothée chapitre 6, verset 7 à 11. Lisez, on va lire attentivement, prêtons attentivement à ce passage. Il contient de très grandes clés. 1 Timothée chapitre 6, verset 7 à 11, il est dit, « Car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. » Tu vois, quand je vois comment les gens se tuent pour être riches, ils sont prêts à tout faire pour être riches. La Bible dit que nous n'avons rien apporté dans ce monde. Je vous assure, vous avez beau avoir un château, sur la Côte d'Azur, de 50 chambres, avec des piscines à chaque chambre, mais quand on vous enterre dans un petit trou. Vous n'apportez rien. Même le costume qu'on met sur vous, quelques instants après, il est rongé par les vers et par les asticots. Vous n'apportez rien. Donc,
Que sert-il à l'homme toute la peine qui se donne sur le soleil pour vouloir s'enrichir? Je vais vous montrer vers la fin de cet enseignement ce pourquoi nous devons être riches. Quelle est notre véritable richesse? On a déjà lu dans Matthieu chapitre 6 comment on ne devait pas s'amasser les trésors sur la terre, mais plutôt où? Dans le ciel. Où ils sont en sécurité. Ouais. Donc, continuons la lecture dans 1 Timothée chapitre 6, verset 7 à 11. Donc, je lis totalement avant de mettre l'emphase sur les points, selon que le Saint-Esprit me conduit. Donc, verset 7, il est dit, « Car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. » Verset 8, « Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. » Suivez attentivement. « Si nous avons de la nourriture et le vêtement, cela fera quoi? Nous suffira. » Verset 9, « Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, suivez attentivement, quelques-uns étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. » Le verset 11 finit en disant ceci. « Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. » Est-ce que les hommes de Dieu, ou soi-disant hommes de Dieu que nous voyons aujourd'hui à travers le monde, est-ce qu'ils lisent ce verset? Il est dit, toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Je ne sais pas pourquoi les hommes sont aveuglés dans ces églises, pourquoi les gens ne sortent pas de ces églises. Parce que si vous voyez déjà un homme de Dieu qui a l'amour de l'argent, voilà, c'est qu'il n'applique pas ce verset. L'amour de l'argent. Vous allez sur leur site internet, ils font étalage de la richesse. Ils montrent la nouvelle Mercedes qu'ils viennent acheter, la nouvelle Porsche qu'ils viennent acheter, le nouveau bateau qu'ils viennent acheter, sur leur page Facebook ou sur leur website. Où avait-il vu cela dans la Bible? Avez-vous vu Paul dans la Bible étaler les richesses qu'il a? Dire à l'église de Rome, venez voir tout ce que j'ai. Ils étalent les nouvelles richesses. Ils étalent la maison. Et ils vont vous dire que non, Dieu les a rendus prospères. Voilà, la Bible dit quoi? Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Voilà ce pourquoi, chrétiens, chrétiennes, à travers le monde, nous devons être riches. Voilà la richesse. Notre richesse doit être en justice, piété, foi, charité, patience, douceur. Voilà ce pourquoi nous devons être riches. Et il y a un détail au verset 10. Le verset 10, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Quelques-uns en étant possédés. Regardez le mot possédé. Qu'est-ce qu'ils possèdent? Ce sont les démons. Donc c'est clair que quand Paul parlait ici, Paul parlait des gens qui ont ouvert leur vie, leur corps à la possession des démons qui contrôlent l'amour de l'argent. J'aimerais qu'on découvre ces révélations profondes, frères et sœurs. L'amour de l'argent. Et maintenant, comme je vous l'ai annoncé, nous allons faire une... Je vais vous montrer les 6 indicateurs, les indices de l'amour de l'argent. Si quelqu'un qui écoute cette parole se reconnaît dans un des indices, il a besoin de se délivrer de l'amour de l'argent. Le premier indice de l'amour de l'argent, c'est on est prêt à tout pour gagner l'argent. On est prêt à tout. Premier indice numéro 1, on est prêt à tout pour gagner l'argent. Mentir, faire le faux, tuer, se prostituer, faire la magie, aller voir les sorciers. On est prêt à tout. Ça, c'est le premier indice. Numéro 1, on est prêt à tout pour avoir l'argent. Mentir, faire le faux, tuer, se prostituer. Il y a des gens qui vont dire qu'ils utilisent les petits mensonges. Je vous ai donné mon témoignage, comment j'ai passé le temps à mentir lors des interviews d'embauche pour avoir des grands boulots. J'ai maquillé mon CV de mensonges. Ouais. Il y a une sœur en Christ que je confrontais la dernière fois, qui a une société quelque part en Afrique. Pourtant, elle professe d'être une chrétienne mature engagée. Mais ayant une société de fourniture, de matériel informatique, elle a avoué qu'il a eu de foi qu'il faut mentir aux clients. Quand la fourniture va être livrée, les fournitures doivent être livrées, sont livrées. Réellement, on est en retard peut-être d'un mois. Elle dit
au client que non, ça vient dans une semaine. Je l'ai confronté par rapport à ça. Qu'est-ce qu'elle me répond? Elle me dit, tout le monde le fait. Si je dis la vérité, je vais faire banqueroute. Je vais faire faillite. Mais elle ne sait pas qu'elle est en train de se diriger en enfer. Si elle ne se répand pas de cette pratique, même un petit mensonge, vous voyez. Donc le premier indice, je reprends, on va citer les indices, les signaux qui indiquent l'amour de l'argent quelque part dans quelqu'un. Donc le premier indice, c'est qu'on est prêt à tout pour gagner l'argent, mentir, faire le faux, tuer, se prostituer, faire la magie, aller voir les sorciers, faire n'importe quoi, vendre la drogue, vendre les stupéfiants, on est prêt à tout. Braquer les banques, prêt à tout. Deuxième indice, on fait passer l'argent avant Dieu. Ça, c'est le deuxième indice. Ça veut dire que l'amour de l'argent passe avant Dieu. On n'arrive plus à se consacrer, à se concentrer sur les choses de Dieu à cause de l'argent, à cause de son travail. Ça, c'est le deuxième indice. On se préoccupe plus de comment emmagasiner, amasser, amasser, amasser. On se soucie moins de sa relation avec Dieu. Voilà le deuxième indice. Le troisième indice, c'est que on ne se contente jamais de ce qu'on a. On ne se contente jamais. Ouais. On ne se contente jamais. Ça commence par quelqu'un qui a un boulot. Voilà comment ça se passe ici aux États-Unis. La personne veut un boulot. Dès qu'elle a un boulot, la personne dit, bon, j'ai un boulot, maintenant il me faut acheter une petite voiture pour aller au travail. La personne a maintenant une voiture pour aller au travail. La personne dit, bon, il me faut une deuxième voiture, une troisième voiture. La personne a une deuxième, troisième voiture. Après, la personne a une voiture de luxe. Après, la personne me dit, il me faut avoir maintenant un bateau. Le bateau ne suffit pas, il me faut avoir un jet privé. Jusqu'à l'infini, je vous assure. J'ai expérimenté ces choses autour de moi. On ne se contente jamais de ce qu'on a. Voilà un indice. La maison est remplie de choses qu'on n'utilise même pas. On veut toujours acheter, acheter, acheter des choses. On ne se satisfait jamais de ce qu'on a. Voilà. Ça, c'est le troisième indice. Ne jamais se contenter de ce qu'on a. Le quatrième indice, c'est un paquet. Le quatrième indice, c'est un paquet qui contient quoi? La convoitise, l'envie, la jalousie et la cupidité. Si quelqu'un est encore envieux, ou à la convoitise, ou à l'envie, ou à la cupidité, c'est l'indice. Le cinquième signal indicateur qui montre qu'on a encore l'amour de l'argent, c'est que on néglige sa famille, son époux ou épouse, et ses enfants pour gagner plus d'argent. On néglige. Voilà notre indice. Comme l'Andy disait la dernière fois, quelqu'un a un travail normal qui peut lui faire avoir de l'argent pour nourrir sa famille et avoir même encore pour toute bonne œuvre. Parce que c'est là le standard du chrétien. Mais la personne va travailler deux boulots, il va travailler la nuit. Parce que peut-être, comme c'est le cas en Allemagne, selon le témoignage de l'Andy, ça paie mieux. Donc la personne, matin et soir, travaille. Jour et nuit, travaille. Et la personne est surprise que la femme a une grossesse extramaritale. Ou la femme a un amant. Il est seulement surpris par une lettre de divorce. Il ou elle, vice-versa, ça dépend selon que c'est de l'homme ou de la femme. Vous voyez, les enfants sont négligés, laissés à eux-mêmes. À cause de l'amour de l'argent, toujours voulant gagner. J'ai un témoignage qui m'a fendu le cœur. Et ça vient de mon épouse, Confort. Elle avait un professeur à l'université. Quelqu'un qui gagne très bien l'argent en tant qu'un expert comptable. Et un jour, lui rentrait très tôt le matin. Il sortait très tôt le matin, pardon, et rentrait la nuit. Et un jour, il est rentré plus tôt que prévu. Et son enfant de 5 ans environ, il est rentré, il rencontre son enfant au couloir. L'enfant de 5 ans lui dit, l'enfant de 5 ans commence à crier et appeler la maman. Il y a un étranger dans la maison, il y a un étranger dans la maison, il y a un étranger dans la maison. Il y a un étranger. La maman vient, la maman dit, quel étranger à la maison? Mais c'est ton père. Ça a choqué ce monsieur. Ce monsieur a décidé de laisser son travail d'expert comptable et de devenir professeur d'université. C'est comme cela que mon épouse l'a donc connu. Il était ancien, un des anciens de mon épouse. Vous voyez, l'amour de l'argent. Cinquième indice, on néglige sa famille, son épouse et ses enfants pour gagner plus d'argent, plus d'argent, plus d'argent. Un autre indice, c'est quoi? Le quatrième indice, ça c'est le cinquième indice maintenant. On ne donne pas son argent aux pauvres, aux indigents et aux veuves, aux orphelins. Ça, c'est un indice, je vous assure. Si vous avez du mal à aider les pauvres avec votre argent, à aider les orphelins, à aider les veuves, parce que c'est là le standard que Jésus-Christ est venu établir.
Le quatrième indice, là ça c'est le cinquième indice maintenant, on ne donne pas son argent aux pauvres, aux indigents et aux veuves, aux orphelins. Ça c'est un indice, je vous assure. Si vous avez du mal à aider les pauvres avec votre argent, à aider les orphelins, à aider les veuves, parce que c'est là le standard que Jésus-Christ est venu établir. Si vous avez du mal, c'est un problème. Voilà, ça c'est un autre indice. Sixième indice, on a du mal à aider les pauvres. On a du mal. On a du mal à aider, à faire de l'aumône, à faire des offrandes, à faire de l'aumône aux pauvres. Et même quand on donne, ce sont les miettes qu'on donne, c'est le superflu qu'on donne. Vous voyez? On a du mal à donner aux pauvres, aux orphelins, aux veuves, aux indigents. Et quand même on arrive à donner, on donne les miettes ou les superflus. Ça, c'est le sixième indice. Le septième indice, c'est quoi? C'est l'avarice. Être avare. Ça, c'est le septième indice. Si quelqu'un est égoïste, avare, la personne n'est jamais prêtée. On vient vous voir pour une aide, vous fermez la porte. Ça, c'est un indice de l'amour de l'argent. L'avarice, l'égoïsme. Et justement, on a lu ça dans 2 Timothée, quand Paul, dans cette prophétie, disait que dans les derniers temps, les gens seront égoïstes. Ça, c'est l'égoïsme. C'est un autre caractère. Vous voyez, être égoïste. Et maintenant, dernier trait, le dernier trait s'applique aux hommes de Dieu. S'il y a un homme de Dieu qui m'écoute, ce dernier trait s'applique aux hommes de Dieu. Le dernier trait, c'est quoi? Vendre les choses de Dieu. Jésus-Christ a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Et aujourd'hui, il trouve des excuses pour mettre les choses de Dieu en vente. Il trouve des excuses pour mettre les vidéos, les DVD, les cassettes audio, les livres sur le marché. Il trouve des excuses. Ils sont tellement forts. Il ferme les yeux sur ce verset qui dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Il ferme les yeux sur ces choses. Il met la parole en vente. Montrez-moi un seul instant où Jésus-Christ a mis la guérison en vente, a mis les serments en vente. Montrez-moi un seul instant dans la Bible, frères et sœurs. Jésus a nourri des milliers de personnes à plusieurs reprises gratuitement. Il a même aidé un des disciples à payer les impôts en lui donnant de l'argent de manière miraculeuse. Un homme de Dieu qui met les choses de Dieu en vente, il a besoin de délivrer l'amour de l'argent. Parce que c'est l'amour de l'argent, les gens trouvent des excuses. Ils vont vous dire que c'est des frais d'impression de livres. Dieu vous a envoyé imprimer un livre, écrire un livre. Le Dieu qui vous a inspiré un livre n'est-il pas le même Dieu qui peut vous donner miraculeusement l'argent pour s'en occuper? Et les gens vont vous donner des excuses telles que non, nous devons recouvrer les frais de dépenses d'impression. Vous voyez ces choses. Donc voilà les clés, il y en a d'autres. Et selon que le Saint-Esprit, vous qui écoutez cet enseignement, selon que le Saint-Esprit vous inspire, vous allez voir d'autres indices de l'amour de l'argent. Nous sommes en train de voir pour ceux qui se joignent à nous comment l'amour de l'argent peut entraîner les gens en enfer. Et il faut que nous en soyons délivrés. Vous voyez? Allons dans Jérémie, s'il vous plaît. On va continuer à voir ces choses. Nous avons vu les critères de l'amour de l'argent. Et Jérémie nous donne un des critères. Les gens qui sont prêts, qui reçoivent les richesses par la fraude. Jérémie chapitre 5, verset 26 à 30 dit quoi? Il dit, car il se trouve parmi mon peuple des méchants. Écoutez très bien Jérémie chapitre 5, verset 26 à 30. Verset 26. Car il se trouve parmi mon peuple des méchants, ils épient comme l'oiseleur qui dresse des pièges. Ils tendent des filets et prennent des hommes comme une cage est remplie d'oiseaux. Leur maison est remplie de fraude. Écoutez attentivement. Leur maison est remplie de quoi? De fraude. Donc, ça veut dire que tous les biens qui sont dans leur maison, en fait, c'est la fraude. C'est la fraude. Ouais. Si vous avez des biens par la corruption, parce que vous corrompez, parce que vous faites corrompre, ou vous corrompez, vous faites corrompre, si vous avez des biens parce que vous volez, parce que vous mentez, votre bien, votre maison est tout simplement remplie de quoi? Votre maison est remplie de fraude, de mensonge ou de meurtre. C'est le sang des gens que vous avez dans votre maison. Si vous obtenez les biens dans votre maison ou les biens de votre compte bancaire par le faux, par la ruse, par la malice, par le mensonge, par le meurtre, par la sorcellerie, c'est votre maison est remplie de fraude et de sang. C'est le sang des gens qui est rempli dans votre maison. Voilà. Le verset
27 de Jérémie 5 dit quoi? Leur maison est remplie de fraude. C'est ainsi qu'il devient puissant et riche. Vous voyez, c'est ainsi qu'il devient puissant et riche par quoi? Par la fraude. Ça, c'est l'amour de l'argent. Verset 28. Ils s'engraissent. Le verset 28 m'amuse. Ils s'engraissent, ils sont brillants dans mon point. Ils s'engraissent et ils sont brillants dans mon point. Ils dépassent toute mesure dans le mal. Vous voyez, ils dépassent toute mesure dans le mal. Ils ne défendent pas la cause de l'orphelin. Et ils prospèrent. Ils ne font pas droit aux indigents. Ne châtirai-je pas ces choses-là, dit l'Éternel? Ne me vengerai-je pas d'une pareille nation? Des choses horribles, abominables se font dans le pays. Voilà. Vous voyez un peu comment Dieu a horreur qu'on obtienne de l'argent, pas de voies détournées. Jérémie chapitre 9, s'il vous plaît. Faisons le tour, allons profondément dans les Écritures. On va voir ces choses. Jérémie chapitre 9, verset 23 à 24. Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Oui. Mais celui qui veut se glorifie d'avoir l'intelligence de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Vous voyez, une des caractéristiques de l'amour de l'argent, c'est se glorifier en ses richesses et non pas et se glorifier en ses richesses. Se glorifier en les richesses, alors que ce que Dieu veut, c'est que nous ayons de la sagesse et de l'intelligence pour le connaître. Et c'est ça en quoi nous devons nous glorifier. Exactement comme on a vu le cas avec le roi Salomon à 1 Chronique chapitre, à 2 Chroniques chapitre 2. Vous voyez, allons dans Jérémie chapitre 17. Jérémie chapitre 17. Comme une perdrix qui couvre les œufs qu'elle a pondus, tel est celui qui acquiert des richesses injustement. Au milieu de ses jours, il doit les quitter et à la fin, il n'est qu'un insensé. Écoutez attentivement ce verset vrai, frère. Jérémie 17, 11, je relis. Comme une perdrix qui couvre des œufs qu'elle n'a point pondus, tel est celui qui acquiert des richesses injustement. Au milieu de ses jours, il doit les quitter. Vous savez que vous voyez quelqu'un qui était riche, il s'est engraissé, il était brillant, bon, 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 bon. Subitement, il est frappé par une crise cardiaque. Il abandonne toutes ces choses à une autre personne. Vous voyez? Et justement, Proverbe chapitre 21, verset 6 dit, « Les trésors acquis par une langue mensongère sont une vanité fugitive et l'avant-coureur de la mort. » Je reprends Proverbe chapitre 21, verset 6, « Des trésors acquis par une langue mensongère sont une vanité fugitive et l'avant-coureur de la mort. » Oui. On s'amasse des richesses, l'amour de l'argent, et cela rend orgueilleux. Vous êtes rempli d'orgueil. Votre cœur s'élève. Oui. Votre cœur s'élève et rempli d'orgueil. Et la parole de Dieu dit que nous ne devons pas nous glorifier à nos richesses. Nous devons plutôt nous glorifier au fait que nous connaissons l'Éternel, nous avons l'intelligence de connaître l'Éternel. Voilà ce en quoi nous nous glorifions, frères et sœurs. Voilà. Et c'est ce que, justement, Salomon, dans la sagesse que Dieu lui a donnée, nous dit en Proverbe chapitre 2, verset 1 à 5. Proverbe chapitre 2, verset 1 à 5 nous dit ceci. Mon fils, si tu reçois mes paroles, et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel. Alors tu comprendras la crainte de l'Éternel. Alors tu comprendras la crainte de l'Éternel. Regarde le verset 5. Et tu trouveras la connaissance de Dieu. Voilà la richesse que nous devons poursuivre. Nous devons chercher l'intelligence de connaître Dieu comme de l'argent. Nous devons poursuivre cela comme un trésor. Et c'est ainsi qu'au verset 5, nous comprenons la crainte de l'Éternel. Nous comprenons la crainte de l'Éternel. Voilà le standard auquel nous devons arriver. Voilà le standard auquel nous devons arriver. C'est le standard auquel nous devons arriver, mes frères et sœurs. On est remplis d'orgueil. Le cœur est enflé d'orgueil à cause des richesses.
on s'amasse de l'argent, on s'amasse de l'or, c'est aussi un signe de l'amour de l'argent. Parce que si vous êtes orgueilleux parce que vous avez l'argent, c'est un signe, parce que vous mettez toute votre confiance dans l'argent. Ouais. Je vais vous montrer quelque chose de très intéressant dans la parabole du semeur. Quelque chose de tellement intéressant dans la parabole du semeur. Et pour cela, allons dans Matthieu chapitre 13. On va lire du verset 4 au verset 11 et du verset 18 au verset 24 par rapport à la parabole du semeur. Et vous allez voir, je vais vous montrer quelque chose de tellement intéressant. Ouais. Et pour question de temps, je vais vous faire le résumé de ce récit. Jésus donne une parabole de quelqu'un qui est sorti pour semer et un semeur qui est sorti pour semer. Donc, il a semé dans trois sortes d'endroits. Des endroits pierreux. La semence est tombée dans trois sortes d'endroits. Premier endroit, les endroits pierreux. Il n'y avait pas là beaucoup de terre. Donc, la semence leva. Mais parce que elle ne trouva pas un sol qui était profond. Elle brûla aussitôt quand le soleil... elle brûlait et sécha aussitôt quand le soleil parut. Parce qu'il n'y avait pas de racines. Donc ça, c'est le premier endroit. Deuxième endroit, c'est quoi? La semence tombe parmi les épines. Donc les épines sont élevées. Les épines ont étouffé cette semence. Et elle ne donna aucun fruit. Dans la troisième partie, c'est que la semence tomba dans la bonne terre. Et elle donna du fruit. Un grain 100, un autre 60, un autre 30. Et les disciples ne comprenaient pas cette parabole. Et c'est ainsi qu'ils sont approchés de Jésus-Christ pour que Jésus-Christ leur explique cette parabole. Et au verset 18 de Matthieu chapitre 13, Jésus leur dit, vous donc écoutez ce que signifie la parole du semeur. Donc Jésus commence à leur expliquer cela. Et ce qui m'intéresse par rapport à ce sujet de l'argent, c'est le verset 22. Ce qui arrive quand la semence tombe parmi les épines. Donc, verset 22, Matthieu chapitre 13, verset 22. Il est dit ceci. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Voilà ce que je voulais vous montrer. Vous recevez la parole de Dieu comme au milieu des épines. Ces épines, c'est quoi? Les soucis du monde, les soucis du siècle, les séductions de la richesse, ça étouffe la parole. La parole n'a pas de produit en vous. Parce que tout ce qui vous préoccupe, comment vous en sortir financièrement? Comment avoir les revenus? Voilà ce qui préoccupe votre tête à longueur de journée. Alors que notre tête à longueur de journée doit être préoccupée comment plaire à Dieu, comment gagner le royaume de Dieu. À longueur de journée, votre tête est préoccupée comment amasser de l'argent, comment sortir de mes problèmes financiers. Voilà ce qui préoccupe notre tête. Alors que Matthieu chapitre 6, verset 33 dit, cherchez premièrement la justice et le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Mes frères et sœurs, voilà le secret pour la délivrance financière. Voilà le secret. Ne vous préoccupez pas de ces choses. Que les factures s'amoncellent, que les dettes s'amoncellent, s'entassent, ce n'est pas votre problème. Continuez à rendre grâce à Dieu. Et puis même le fait d'être dans les dettes vient des mauvaises décisions sur le plan financier. Et les mauvaises décisions sur le plan financier viennent au fait de l'amour de l'argent. C'est un cercle vicieux. C'est pour ça que Dieu doit le délivrer de ces choses. L'amour de l'argent. Je relis le verset 22 de Matthieu chapitre 13. Jésus explique ce qui est arrivé à la semence qui est tombée parmi les épines. Hein? C'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent la parole et la rendent infructueuse. Et j'aime bien comment Marc chapitre 4 verset 19 enveloppe cela, développe cela. Le même verset en Marc chapitre 4 verset 19 dit, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Donc Marc chapitre 4 verset 19 ajoute un autre détail en dehors de la séduction des richesses, les soucis du siècle, mais l'invasion des autres convoitises. La tête est envahie par d'autres convoitises. On ne se contente jamais de ce qu'on a. Vous voyez? C'est tellement important les choses que nous sommes en train de voir. L'amour de l'argent. L'amour de l'argent. Et nous allons voir ce que Jésus dit.
venu se jeter devant lui. Voilà le standard. Vous allez voir, Jésus a montré qu'il est difficile pour un homme qui se confie à des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est difficile. Landry m'a béni la dernière fois. Jésus n'a pas dit, un homme qui est riche n'entrera pas dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas ça. Écoutez très bien. Mais il a dit, il est difficile. Et sachez, frères et sœurs, que plus vous êtes riche, plus vous vous éloignez du royaume de Dieu. Ça dépend de comment la sagesse. Maintenant, il peut arriver que vous ayez beaucoup d'argent. Mais je vous assure que vous devez arriver à un autre niveau de renouvellement de votre intelligence pour ne pas tomber dans la séduction. C'est un autre niveau. Quand vous êtes abondamment riche, il faut une grâce particulière de renouvellement d'intelligence pour ne pas tomber. Comprenez ces choses. Dieu n'est pas contre la richesse. Dieu n'est pas contre l'abondance. La Bible dit que Dieu dit quelque part, l'or et l'argent m'appartiennent. Mais plus Dieu vous bénit, plus Dieu vous bénit financièrement, plus Satan fera aussi tout pour utiliser cette bénédiction financière pour vous entraîner en enfer. Comment trouver l'équilibre? C'est dans la parole. C'est pour ça que j'enseigne ces choses. Donc s'il y a quelqu'un qui écoute cet enseignement, qui a des grands biens, qui est riche, cet enseignement c'est un garde-fou. Malgré ses richesses, aller au ciel. Et nous allons voir ce que Jésus dit ici à cet homme riche. Allons à Marc chapitre 10, verset 17 à 27. Nous allons lire ces choses. C'est tellement grand. Comme Jésus se mettait en chemin. Donc comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Ouais. Il pose la question, que dois-je faire? Voilà un homme intelligent, voilà un homme riche qui est intelligent. Combien d'hommes riches aujourd'hui vont vers les hommes de Dieu pour dire, comment faire pour avoir la vie éternelle? Ça me bénit cette histoire. Voilà un homme qui était riche, mais malgré ses richesses, il est venu à Jésus-Christ. Il a dit, bon maître, qu'est-ce qu'il faut faire pour hériter la vie éternelle? Nous sommes dans Marc chapitre 10, verset 17 à 27. Que faire pour hériter la vie éternelle? Malgré ses richesses. Si les hommes riches pouvaient suivre cet exemple, il était tellement riche. Mais malgré ses richesses, il a dit, que faire pour hériter la vie éternelle? Verset 18, Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. Il lui répondit, maître, j'ai observé toutes ces choses de ma jeunesse. Vous voyez, il a observé toutes ces choses. Et je vais ouvrir une parenthèse. Jésus énumère les choses qui nous empêchent d'aller au ciel, qui nous empêchent d'aller en enfer. Jésus énumère les choses qui font qu'on ait la vie éternelle, qu'on est au royaume de Dieu. Jésus énumère les choses qui font que vous soyez part à l'enlèvement, que vous n'allez pas en enfer. Ces choses, c'est quoi? Tu ne commets pas d'adultère, tu ne tues pas, tu ne dérobes pas, tu ne fais pas de faux témoignages et tu ne fais de tort à personne. Tu honores ton père et ta mère. Et qu'est-ce que l'homme riche dit à Jésus? Il lui dit, au verset 20, il lui répondit, maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Verset 21, Jésus l'ayant regardé les mains et lui dit, avant de continuer ce que Jésus lui a dit, il y a le mot sur lequel je vais attirer votre attention. Jésus le regarda et les mains. Oh là là! Est-ce que vous savez pourquoi Jésus l'a aimé? Jésus a aimé parce que cet homme observait les commandements de Dieu. Donc Jésus nous aime et nous aimera toujours si on observe les commandements de Dieu. Si on n'observe pas les commandements de Dieu, Jésus ne nous aimera pas. Vous voyez, c'est un détail très important que j'ai découvert. Ouais, c'est un détail très important. Jésus l'aima parce qu'il a dit que j'observe toutes ces choses que me dit depuis la jeunesse. Mais ce n'est pas tout. Jésus lui dit ceci, il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Voilà le standard. Tu as tes biens, tu les vends, tu les donnes aux pauvres et tu suis Jésus-Christ. Voilà le standard. Verset 22,
Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Verset 23, Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples, qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, il leur dit, mes enfants, il est difficile à ceux qui se confient en des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Vous voyez, il est difficile de ceux qui se confient en des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Si toute votre vie tourne autour de vos richesses, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Il est difficile. Ouais. Il est difficile. Et c'est la même chose que Jésus reprend dans Matthieu chapitre 18, verset 23 et Luc chapitre 18, verset 24. Dans Matthieu chapitre 18, verset 23, il a dit, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Vous voyez? C'est des choses tellement importantes que nous sommes en train de voir là. Nous voyons comment quel est le standard que Jésus a établi. Le standard que Jésus a établi, on est bien, on a des biens, mais ces biens-là, on doit les distribuer aux pauvres, aux gens qui ont besoin, qui en ont besoin, qui ont des besoins, aux indigents. Ouais. Allons dans Luc, s'il vous plaît. Continuons à développer ces choses. Luc chapitre 12, verset 13 à 21. Lisons un autre récit. Vous allez comprendre de quoi il s'agit ici. Il s'agit de quelqu'un qui est venu se plaindre au sujet de son frère par rapport à ce que le frère ne voulait pas partager l'héritage. Ouais, Luc chapitre 12, verset 13 à 21, il a dit quoi? Verset 13. Quelqu'un dit à Jésus, du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus, au verset 14, lui répondit, « Ô homme qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages. » Puis il a dit, gardez-vous avec soin de toute avarice. Vous voyez l'avarice? L'avarice, on l'a vu précédemment, être avare, c'est un signe d'amour de l'argent. Les avares iront en enfer. S'il y a quelqu'un qui est constamment qui est avare, s'il ne se libère pas de l'avarice, qui ne pense pas qu'il ira au ciel. Je vous assure. Puis il a dit, verset 15, Jésus leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice. Il dit, gardez-vous avec soin de toute avarice. Ouais. Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Fuit-il dans l'abondance? La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Si vous ne pouvez pas, si votre vie dépend de votre bien, de vos biens, vous n'avez rien compris. La vie d'un homme dépend de la relation fructueuse, vivifiante, puissante qu'il a avec Dieu. Et Jésus-Christ, la vie d'un homme ne dépend pas de ton salaire, de ton compte d'épargne, de ta pension en retraite. La vie d'un homme ne dépend pas de ces choses-là, de ces biens. Il y a beaucoup de personnes sans salaire, ils ne peuvent pas vivre. Sans pension en retraite, ils sont morts. Ils vont seulement pas se suicider parce qu'ils n'ont pas, la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Voilà ce que la parole de Dieu déclare. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. J'aimerais qu'on comprenne ces choses. C'est pour ça que j'insiste sur ces choses. Ouais. Verset 16. Et il a dit cette parabole. Donc voilà ce que Jésus parle à la foule par rapport à la question de ce frère qui se plaignait de ce que son frère ne voulait pas partager l'héritage. Donc Jésus adresse la foule. Verset 16. Et il a dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup apporté. Et il raisonnait en lui-même disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Verset 19, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Verset 20, mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme sera redemandée et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Vous voyez, cet homme, subitement, Dieu lui dit, voilà, tu t'enorgueillis, tu t'enorgueillis, ton âme est tellement
ton âme a beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, tu t'enorgueillis et tu dis à ton âme, réjouis-toi, repose-toi, mange, bois. Alors qu'est-ce que Dieu dit? Cette nuit même, ton âme te sera redemandée et ce que tu auras préparé, pour qui sera-t-il? Voilà comment cet homme est frappé de mort. Ça signifie que cet homme, instantanément, devait perdre sa vie parce qu'il se glorifiait de la sorte. Et le verset 21 de conclure dans ce récit, il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Voilà. Si vous avez des biens, ce n'est pas grave. Ce n'est pas un péché d'avoir beaucoup de biens. Que ceux qui écoutent cet enseignement, qui sont riches, ne se culpabilisent pas. Mais ne mettez pas votre orgueil. Que votre richesse ne soit pas sur l'orgueil. Que votre richesse ne soit pas pour vous quelque chose sans lequel vous ne pouvez pas vivre. Paul a dit, je sais vivre dans l'abondance, je sais vivre dans la richesse. Voilà le standard auquel nous devons nous élever. Dans l'abondance et dans la richesse, nous vivons. Parce que ce qui nous préoccupe, c'est comment aller au ciel. C'est comment avoir une place au ciel. Voilà ce qui nous préoccupe. Voilà ce qui nous préoccupe, bien-aimés frères et sœurs. La Bible dit donc, ici, Luc chapitre 12, au verset 21, conclut ce récit en disant, il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Nous ne devons pas, au lieu d'amasser les trésors pour nous-mêmes, amassons les trésors pour Dieu. Soyons riches pour Dieu. Voilà. Je vais vous montrer cette merveilleuse histoire. Nous continuons à développer ces choses. Soyez patients, frères. Disposez-vous à recevoir la délivrance par rapport à tout esprit de l'amour de l'argent. Tout esprit. Vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. Donc maintenant, évoluons et voyons l'histoire de Lazare et le riche. C'est une histoire merveilleuse. Et pour cela, allons dans Luc chapitre 16, verset 19 à 31. Et dans ce contexte, on a le contexte d'un homme qui était riche et qui était vêtu de pourpre et de fin lin, qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Et en même temps, il y avait aussi un pauvre nommé Lazare qui était couché, couvert d'ulcère et qui était désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher les ulcères sanguinolents et purulents de Lazare. Donc, il arriva que le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Et voilà qu'ils arrivent au séjour des morts. Et qu'est-ce qui se passe au séjour des morts? Au séjour des morts, le riche qui était mort, qui se retrouvait au séjour des morts, leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare qui était dans le sein d'Abraham. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Ouais. » Il n'a même pas demandé un verre d'eau. Il n'a même pas demandé une cuillerée d'eau. Il a seulement dit, « Trempe le doigt afin que la gouttelette de ton doigt puisse vraiment me rafraîchir la langue, ne serait-ce que pour un millième de seconde. » Voilà. Et regardez qu'est-ce que Abraham nous dit. Et c'est là la sagesse de ce message. C'est là la sagesse, le conseil de Dieu derrière ce message. Verset 25. Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare en a eu des maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici, consolé, et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Oui. Voilà comment quelqu'un souffrait parce qu'il s'est confié dans ses richesses. C'est sérieux ce que je suis en train de nous partager aujourd'hui. Ne pensez pas que c'est une fable ou une généalogie que nous sommes en train de lire. C'était tellement sérieux. La Bible nous montre comment nous devons être riches. La Bible a des exemples, quand je dis Bible, le Nouveau Testament a des exemples des hommes qui étaient riches, mais à qui Dieu a accordé le salut. Il y a 2 exemples que je vais vous expliquer. Et ces exemples vont vous émerveiller. Bien qu'il soit difficile pour un homme riche de gagner le royaume de Dieu. Mais la Bible nous montre l'exemple de 2 hommes riches qui ont obtenu le salut. Le Nouveau Testament nous montre l'exemple de 2 hommes qui ont obtenu le salut.
Et vous allez voir le secret de cet homme. Et je l'ai annoncé précédemment, mais je vais encore insister sur le secret de ces deux hommes qui, malgré le fait qu'ils étaient riches, ils ont hérité la vie éternelle. Le premier exemple se trouve dans Luc chapitre 19, verset 1 à 10, et c'est le récit d'un homme riche nommé Zachée. Le deuxième exemple se trouve dans Actes chapitre 10, verset 1 à 8. Il s'agit d'un centenier romain qui n'était même pas juif, qui s'appelait Corneille. Commençons par le premier exemple de Zachée. Ces exemples nous montrent que on peut être riche, immensément riche, mais aller pourtant au ciel. Mais si on applique les deux secrets, et les secrets pardon, que ces deux hommes ont appliqués, voyons quel a été le secret de Zachée. Et on va voir quel a été le secret de Corneille. Commençons par Zachée. Pour cela, Luc chapitre 19, verset 1 à 10. Donc, il est dit, verset 1 à 10, « Jésus étant entré dans Jéricho, traversa la ville, et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre. Quelle joie, ouais, il se hâta de descendre. Il y avait tellement la foule, cet homme qui était nain, monte sur un sycomore, un gros arbre, pour voir Jésus. Et justement, c'est lui que Jésus appelle. Jésus n'a même pas appelé la foule qui l'entourait à terre. Il a appelé Zachée. Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Et on peut imaginer la joie incommensurable de Zachée. Donc, verset 6, Zachée se hâta de descendre. Et il le reçut avec joie. Verset 7, voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée se tenant devant le Seigneur lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens et si j'ai fait tort à quelque chose à quelqu'un, je le lui rends. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi fils d'Abraham car le fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Maintenant qu'on a lu ce passage, quel est le secret qui a valu à Zachée et à sa maison le salut? Le secret se trouve dans le verset 8 et dit, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. La moitié. Voilà un homme riche qui avait découvert le secret. Il donne à qui? Il ne donne pas au pasteur. Il ne donne pas au pasteur. Mais il donne à qui? Aux pauvres. Il ne fait pas les offrandes. Il ne donne pas aux pharisiens. Il ne donne pas aux sadducéens. Mais il donne à qui? Aux pauvres. Quoi? Les miettes? Non. Le superflu de ses richesses? Non. Mais il donne quoi? La moitié de mes biens. Et s'il a fait tort à quelqu'un de quelque chose, il fait la restitution au quatuple. Et voilà ce que Jésus lui répond au verset 9. Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Vous voyez, c'est le premier exemple qui vous montre que on peut être riche, mais hériter le royaume de Dieu. Voyons le deuxième exemple. Le deuxième exemple qui m'a toujours béni, c'est celui de Corneille, le centenier romain. Et c'est pour cela, allons dans Actes chapitre 10, verset 1 à 8. Il a dit quoi? Il y avait un homme, verset 1, Actes chapitre 10, verset 1, il y avait un homme à Césarée, un homme nommé Corneille, centenier de la cohorte italienne. Donc voilà cet homme, c'est un centenier. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un centenier, c'est un soldat romain qui est une sorte de capitaine de commandant qui encadre 100, il est responsable pour la subsistance, pour la gestion de 100 soldats. Donc c'était un homme riche, un homme prospère, un homme qui avait un bon statut social, un statut social enviable. Verset 2, cet homme était pieux et craignait Dieu. Voilà le premier secret par rapport à Corneille. Il était pieux et craignait Dieu. Il ne se confiait pas à ses richesses. Malgré ses richesses, il était pieux et craignait Dieu. Ses richesses ne l'avaient pas enorgueilli. Ses richesses ne l'avaient pas endurci. Malgré ses richesses, il était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Regardez, non seulement lui, mais toute sa maison. Ce n'est pas que vous êtes riche. Vos enfants sont orgueilleux, même si vous êtes pieux. Non. Vos enfants doivent être humbles comme vous. Votre épouse, etc. Votre épouse. Donc, il craignait Dieu avec toute sa maison.
Ouais. Il faisait beaucoup de monde au peuple. Voilà le deuxième secret. Il faisait beaucoup de monde, frère. Voilà le deuxième secret. Voilà le secret de cet homme qui était riche. Premièrement, il était pieux et craignait Dieu. Deuxièmement, il faisait beaucoup de monde. Dans le cas de Zachée, il faisait beaucoup de monde. Dans le cas de Corneille, il faisait beaucoup de monde. Voilà la clé. Et priait continuellement. Et voilà ce qui s'est passé. À partir du verset 3, vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et lui dit, Corneille, les regards fixés sur lui et saisi de foi, il répondit, qu'est-ce que c'est Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, corroyeur, dont la maison est près de la mer. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela deux de ses serviteurs et un soldat, pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne, et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. Vous voyez? Il les envoie à Joppé. Donc nous avons l'exemple de Corneille. Ici, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que l'ange dit à Corneille? Il a dit, Dieu, tes prières, là, il dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Donc la clé ici, c'est que Dieu s'est souvenu des prières et des aumônes d'un homme qui pourtant était influent dans sa société. Et nous allons continuer avec les exhortations du Seigneur aux hommes riches. Les exhortations du Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur attend de nous par rapport à la richesse? C'est par là où on va terminer cet enseignement. Les exhortations du Seigneur aux hommes riches. Pour cela, allons dans 1 Timothée chapitre 6, versets 17 à 19. Et Paul, exhortant Timothée, dit ceci, 1 Timothée chapitre 6, versets 17 à 19, il dit, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonne œuvre, d'avoir la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé dans un fondement, sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Voilà la clé. Je vous ai montré le cas de Corneille et de Zachée qui, malgré leurs biens, ont hérité le salut. Et Paul donne les clés, et j'aimerais qu'on retienne ces clés, les clés qui peuvent faire qu'un homme qui a des moyens, qui est riche, puisse ne pas rater l'enlèvement ou puisse ne pas rater l'entrée du royaume de Dieu pour se retrouver en enfer éternellement. Donc, Paul énumère ceci. Donc, un, il ne doit pas être orgueilleux. Deux, le riche ne doit pas être orgueilleux. Deux, le riche ne doit pas mettre son espérance dans les richesses incertaines, mais la mettre en Dieu. Trois, il doit faire beaucoup de bien. C'est-à-dire être riche en bonne œuvre. Avoir la liberté, la générosité. Quatre, il doit s'amasser ainsi un trésor. Ce qui est s'amasser ainsi un trésor placé sur un fondement solide. Ouais. On a vu dans l'histoire de Zachée. Et voilà ce que le Seigneur vient recommande par la bouche de Paul. Il n'y a plus encore. Et allons dans Luc chapitre 21 pour voir le contraire de ce que Paul vient de recommander à Timothée. Voyons le contraire. Nous voyons ici comment les hommes doivent être vraiment pleins de libéralité, riches en bonne œuvre, prompts à faire du bien, avoir de la générosité. Mais regardons le contraire en Luc chapitre 21, verset 1 à 4. Le contraire est le suivant. Luc chapitre 21, verset 1 à 4. Jésus, ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leurs offrandes dans le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve qui mettait deux petites pièces. Et il dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres. Pourtant, elle a mis qu'une seule pièce. Mais Jésus dit au verset 3, en vérité, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres. Pourquoi? On va voir au verset 4. Jésus continue. Car c'est de leur superflu que tout cela ont mis
des offrandes dans le tronc, mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. Vous voyez, elle a mis tout ce qu'elle avait pour vivre. Est-ce qu'elle s'est souciée de comment elle devait vivre après? Est-ce qu'elle s'est souciée de comment elle devait s'en sortir? Est-ce qu'elle a eu une dépression? Est-ce qu'elle a eu une hypertension artérielle après cela? Non. Elle a mis de son superflu parce qu'elle avait confiance en Dieu, que Dieu seul, sa vie est entre ses mains. Elle se confie en Dieu. Donc regardez comment les riches donnaient leur superflu. Donc on va voir terminer la véritable richesse que Jésus-Christ est venu rendre disponible pour nous. C'est par là qu'on va terminer cet enseignement. On va voir la véritable richesse que Jésus-Christ est venu rendre disponible pour nous. La véritable richesse. Nous, chrétiens, c'est une richesse qui n'est pas de ce monde. C'est une richesse qui n'a pas de comparaison. On peut prendre tous les biens, toute la fortune de l'Europe, toute la fortune des États-Unis, toute la fortune de l'univers. Ce n'est pas comparable au salut d'une âme. Le salut d'une âme, je vous assure, ce n'est pas comparable. Et je rends grâce à Dieu de ce que nous avons découvert, le secret de cette richesse. C'est dans la Bible, je vous assure. Mais nous nous soucions pas des biens de la terre. Nous vous soucions pas des biens de la terre. 2 Pierre chapitre 1, verset 8 nous montre. Et regardez cette introduction, comment Pierre introduit ce livre. Et dans cette introduction, on a les clés merveilleuses ici. Paul dit ici au verset 1, Simon Pierre, il est dit ici, Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de Dieu et du Sauveur Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Car comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Regardez, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Parlez-moi de richesse. Voilà la richesse. Voilà la richesse, frères et sœurs. Verset 4, lesquels nous assurent de sa part de les plus grandes et plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants à la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Voilà le standard. Voilà la richesse que nous avons. Et quand on est conscient de cette richesse, on ne peut plus vivre dans la convoitise ou dans l'amour du monde. Parce que 1 Jean chapitre 2 à partir du verset 15 dit, n'aimez pas le monde, ni les choses du monde, car celui qui aime le monde, l'amour de Dieu n'est pas à lui. Parce que les choses du monde consistent, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. Vous voyez? Mais nous avons reçu de plus grandes et précieuses promesses. Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. C'est pour cela que le verset 5, 2 Pierre chapitre 1, verset 5, continue en disant, à cause de cela même, faites tous vos efforts. Écoutez très bien mes frères et sœurs, c'est un effort qu'on doit faire. Ce n'est pas facile, je sais. Mais c'est souvent un effort que ça demande. Mais ça, c'est à cause de cela même. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Et le verset 8 de conclure, car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Regardez, Dieu dit ici d'ajouter à votre foi la vertu. Il n'y a pas de mensonge dans la vertu. Il n'y a pas de faux dans la vertu. Il n'y a pas de fraude dans la vertu. Il n'y a pas de cupidité dans la vertu. Il n'y a pas de convoitise dans la vertu. La vertu ne vole pas. La vertu ne détourne pas. La vertu ne se fait pas corrompre. C'est ça la vertu. Quand on dit un homme est vertueux, on a tué l'exemple de Job, devant aux yeux duquel, aux yeux de Dieu, Job était un homme intègre et droit. Romains chapitre 10, verset 12, dit quoi? Il n'y a aucune différence en effet entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour ceux qui l'invoquent. Écoutez très bien, la parole de Dieu dit, Dieu est riche pour ceux qui l'invoquent. Vous invoquez Dieu, attendez-vous à recevoir sa richesse. Il est dit, Dieu est riche pour ceux qui l'invoquent. Il est riche pour ceux qui l'invoquent. Vous voyez, en Corinthiens chapitre 1, allons plutôt à 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9.
Nous continuons à voir ces choses.